va, Armel? Bah écoute, super. On a passé le waypoint Trinidad. Ouais, joli bouée d'ailleurs. Magnifique, hein. C'était très joli. Joli moment, émouvant. Et voilà, on fait route vers le nord. On va retourner, passer l'équateur. Assez incroyable, moi j'ai jamais fait ça. Passer l'équateur et puis deux jours après le repasser. Enfin, quatre jours après le repasser. Donc, c'est assez étonnant comme parcours. Les conditions sont idéales. On a entre 10 et 15 de vent, la mer s'est un peu calmée, ça glisse. Ça va accélérer fort à l'heure, donc c'est super. On y voit comment plein jour. Il y a une belle lune, il faut les accompagner. Non, génial. Belle condition. On est prêt pour l'accélération. Ça va filer vite normalement vers la prochaine marque, les îles Sao Paulo et San Pedro. Juste c'est au nord de l'équateur. Dans deux jours, c'est ça? Dans deux jours, exactement. Et ensuite. Direction la Martinique. Et après, ouais, trois jours après des îles jusqu'au portant VMG pour aller vers la Martinique. Voilà, portant avec un peu de stratégie, pas moins une course de vitesse, mais plus tactique. Et puis, vient de rejoindre les Antilles, voilà, la Martinique. Normalement, prévu mercredi, si tout va bien. Parfait. Bon, allez, moi je suis Loli. Allez, bonne sieste, Kevin. Bon cas.